Salut tout le monde, ici PPTV, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo assez rapide. Donc là, je fais une vidéo pub pour un des plushtubers. Je sais, donc certains le connaissent, certains le connaissent pas. Mais qui, anciennement, je rappelle, qui était donc Parapune Mooney, qui maintenant est donc le Kamek Show. Alors, pour rappel, et bon, ou alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une personne qui fait donc une émission d'un reality show qui s'appelle Chamboutou Party et qui est réalisé avec des peluches. C'est la saison 2 d'après Super Défi Party qui était la première saison. Donc là, tout se fait, toutes les participations qui se font via Discord pour pouvoir bien participer et ne se révéler que lors de la diffusion des épisodes, les personnages votent également, donc les joueurs doivent anticiper la stratégie des peluches. Tout ce concept a rendu Super Défi Party comme une série de peluches françaises très appréciée. La saison 2, qui se nomme Chamboutou Party, reprend le même concept, mais avec un nouveau casting et un twist qui permet de donner une chance même aux personnes qui ont des goûts minoritaires. Donc, là, où je voudrais vous dire, c'est que... pourquoi est-ce que Parapune et Mooney a décidé de faire une seconde chaîne? Là où ça pêche, c'est que Parapune et Mooney avaient reçu des strikes de YouTube, et comme YouTube, c'est des petits enfoirés de merde, et faut pas se la cacher, hein, faut pas se la cacher, hein, parce que vraiment, YouTube, quand ils veulent censurer les trucs, en fait, ils ont tendance à mettre des... que ce soit les droits vidéo, tout ça, mais en fait, quelquefois, YouTube, ça met des strikes n'importe comment. Donc, il a reçu des strikes de... Pourtant, c'est pas les peluches le problème. Il a reçu des strikes de... Du genre... Bon, par exemple, s'il reçoit des strikes... Enfin, certains strikes musicaux empêchent donc d'avoir du son. Et ça... Et quelquefois, ça... Et quelquefois c'était aussi des trucs vidéo qui a donc pénalisé donc la personne. Donc, c'est les strikes... Alors, il se prend encore un dernier avertissement. Il y en a deux. Et si le prochain, il en reçoit encore un autre, et ben vous connaissez la suite, bim, son compte est banni. Et s'il veut, il veut pas, pour s'assurer la sécurité de cela, donc il décide de se créer une nouvelle chaîne pour la sécurité de son compte. Ce qui explique pourquoi a-t-il donc dû privatiser les vidéos, histoire que sa chaîne ne subisse pas encore une fois un avertissement. Sinon, sa chaîne, il l'aura dans le cul et tout sera perdu. Et quand tout est perdu... Et ben il l'a dans le cul, nous l'avons dans le cul. Donc le Kamek Show, c'est pour la suite de Chamboutou Party. Donc ce serait alors le meilleur moment pour reprendre la série de Chamboutou Party. Donc ce que je vous demanderais, c'est donc de vous abonner à Kamek Show, aka Parapune Mooney. Après, à savoir, pour ceux qui connaissent pas, franchement c'est le genre de personne qui... J'adore sa façon de jouer. Sa façon de jouer est excellente. Faut pas se la cacher. Et tout est parfait dans les moindres détails. Et que ce soit scénaristiquement. Et donc, et là, il prépare aussi d'autres projets tels que Engagez-vous qu'il disait. Et bien sûr, bien que cette série aussi également. Elle n'a pas été victime de strike, non, celle-ci, la série elle est très très bien. Non, c'est juste qu'elle a aussi été privatisée, mais par sécurité, encore une fois, je vais pas encore vous redire encore le fait en raison des avertissements chiants de YouTube. Donc après, le truc c'est qu'il s'est bien préparé ses scénarios. Après, hormis le Chamboutou Party, qui est donc un reality show, parce que les reality shows, bon, tu peux... scénariser un truc du genre ouais telle personne va faire ceci, telle personne va faire cela, mais ce qui n'est jamais scénarisé c'est quand on fait des éliminations, donc là c'est pas pareil, et ça qui est au top. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, franchement c'est si alors avec moi et lui on a beaucoup de trucs. Bon, on s'aime bien, on est des bons copains, on est très très bons copains, des très très bons copains, très bonne relation. Et ça, ça me fait vraiment plaisir de voir avec qui tu peux avoir une confiance absolue. Voilà quoi. Mais après, en soi, je vous dis, il m'a bien aidé. Il m'a aidé avant quand j'avais très peu d'abonnés. C'est lui qui avait le plus d'abonnés avant à l'époque.
À l'époque, si, à l'époque, sinon je parle de trop loin, hein. Alors que non, ça fait quoi? Ça fait 2 à 3 ans qu'on se connaît. Et donc, là, on se renvoie un peu la balle. Pour le coup, il m'a fait une pub. Je lui ai refait une pub au retour. Et franchement, pour redonner goût aux reality shows qui sont vraiment puissants, il ne reste par contre pas beaucoup d'épisodes. Il ne reste même pas beaucoup de candidats. Alors, quand est-ce que le reality show Chamboule tout parti va-t-il donc refaire surface? D'ici les prochaines semaines. D'ici 3 à 4 semaines, tout refera surface. Mais pour ça, il faut pas oublier de s'abonner à Kamek Show. Le lien est en description. Si vous avez la flemme, bien sûr, de faire des recherches sur YouTube comme ça en mettant Kamek Show, je sais pas écrire Kamek Show, quelqu'un peut me le dire. Mais putain, mais franchement, je vais vous mettre un lien. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et pour que vous y profitiez d'un autre univers que vous, peut-être que vous ne connaissez pas, mais franchement, avec lui, ça en vaut la chandelle. À savoir que il n'a pas resté longtemps sur YouTube. Je vous dis ça, mais franchement, juste abonnez-vous le temps tant qu'il est encore là. Mais ces épisodes, c'est un délice. Chaque épisode, c'est comme l'entrée plat dessert. Tu le savoures à chaque instant et à n'importe quel moment. C'est le meilleur combo que tu n'es pas prêt de regretter. On ne regrette rien au Kamek Show. Thank you.